Afin que le nom du Seigneur soit glorifié en toi.
Seigneur, nous te disons merci, nous te levons pour ce matin. Sois élevé, sois glorifié. Seigneur, nous te confions ce mois. Seigneur, prends contrôle de celui que l'atmosphère soit chargée de ta gloire. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur Jésus, que l'atmosphère soit chargée. Reprends ton sang en ce lieu, que tout le lieu soit rempli de ton sang. Le sang de Jésus. Envahis l'atmosphère au nom de Jésus. Soit, Seigneur, je prie maintenant que tout ce lieu soit envahi par ton sang, que ton sang paralyse tout esprit qui ne confesse pas ton nom en ce lieu, qu'il soit paralysé dans le nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, nous voulons faire tout sous ton autorité. Je prie maintenant, Seigneur Jésus, que ta puissance descende en ce lieu. Seigneur, que ta puissance descende, la présence de cet esprit soit attachée en ce lieu. Au nom de Jésus, tout esprit des eaux en ce lieu soit condamné. Au nom de Jésus, que ton jugement descende en ce lieu. Oh Seigneur Jésus, le jugement que tu as descend sur Sodome et Gomorrhe, ce jugement descend sur tout esprit qui va essayer, qui va s'opposer à cette œuvre. Amen. Maintenant, on peut inviter tous les bien-aimés. Il est le roi, le roi. Il est le Seigneur, le Seigneur. Son nom est Jésus. Jésus. Wow. Oh, alléluia. Il faut que le roi. Aujourd'hui, c'est la fin. Voilà, frère Robert. Dis-nous. Quand tu es dans l'eau actuellement, là, qu'est-ce qu'il te fait? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Il faut me dire, il faut faire ce témoignage, nous on en fait avoir. Parce que nous on est ici, maintenant il y a la joie qui nous anime. Toi qui es venu au milieu de nous, tu es venu ici, qu'est-ce qui se passe en toi? Il faut nous dire. C'est une joie qui m'a lancé. Toi, cette joie t'anime, tu es comme ça. Bon, chacun a sa nature. Quand une joie t'anime, tu es passé, tu es venu aussi. Donc là, tu es la joie, nous t'en prends pas. Ça m'a déplacé, je ne sais pas comment. Je souris. 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 Alors, bénissons. Et frère Robert, ou bien t'es Robert, n'est-ce pas? Voilà, aujourd'hui c'est. Voilà. Et pendant que nous, on était en train de faire, est-ce qu'il y a encore des gens qui sont prêts pour la recherche de vous? Donc, le nom de Ezekiel, c'est un nom. C'est un nom. En tout cas, je ne sais pas lequel le Seigneur se reconnaît. Et je dis, la Bible dit que si quelqu'un se répand sur la terre, si une telle personne, si une telle brebis se répand sur la terre, il y a de la joie au ciel. Les anges sont en joie. Le fait qu'une telle personne se répande sur la terre. Alléluia. Donc, c'est pour te dire que ta présence ici maintenant favorise une joie au ciel. En d'autres termes, le ciel fait
peut-être qu'aujourd'hui tu veux accomplir une œuvre de la foi dans le royaume de Christ. Est-ce que tu comprends cela? Voilà, tu vas me dire, frère Ezekiel, tu vas me dire, qu'est-ce que tu penses faire pour le Seigneur? C'est comme un vœu ou bien un engagement. Voilà, un engagement. Qu'est-ce que tu penses faire pour le Seigneur Jésus-Christ après ce moment de baptême, quand tu vas sortir? Qu'est-ce que tu es fait pour le Seigneur en tant que cet instrument participant du royaume de Christ? Dans la voie ce matin, j'aimerais proclamer la volonté de Dieu. Alléluia. Et l'exemple qui a été au Seigneur par les démons. Et appeler ceux-là qui n'ont pas encore quitté la vie qui ont venu venir écouter. Parce que la vie de Jésus est plus tôt que mieux. Et en Jésus, on dit Jésus a dit. Il faut parler. Il a dit. Déjà dit dans la Bible, le chemin, la vérité, la vie. Donc j'ai vu que ceux qui n'ont pas encore connu Jésus sont venus connaître le chemin qui est en lui. Donc, je peux comprendre ce qui a été évoqué. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Évidemment, le bien-aimé, là où le Seigneur l'a tiré, c'est très, très, très loin. Quand je dis très, très loin, il faut imaginer. Alléluia. C'est très, très, très loin. Le Seigneur l'a sorti de beaucoup de choses. On peut même dire que l'ennemi l'a déjà acheté. Alléluia. L'ennemi l'a déjà acheté. Et il est sur le point d'être pour l'ennemi définitivement. Mais comme le Seigneur, la Bible dit dans le livre de Job 3, le verset 25, dit l'Éternel dit son dernier mot. Alléluia. C'est l'Éternel qui a dit son dernier mot dans la vie de notre frère Ezekiel Robert. Et le Seigneur l'a rencontré. Quand le Seigneur l'a rencontré, il est revenu. Et je déclare maintenant que suite à ce témoignage que je suis en train de livrer, que le Seigneur passe aussi par ici pour te rencontrer réellement, toi qui n'es pas encore venu à Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je connais que mon Dieu est Dieu fidèle, c'est un Dieu qui connaît ses enfants. Et quand le moment arrive, il te laisse, il est en train de te perdre. Et quand le moment arrive pour lui, il te rencontre. Et le Seigneur rencontrera quelqu'un au nom puissant de Jésus. Alors, frère Ezekiel Robert, qu'est-ce que toi-même tu veux que le Seigneur fasse pour toi après ce moment de ma vie? Je veux que le Seigneur me renaisse à nouveau. Que le Seigneur élimine ma vie et me fait parler dans sa demeure. Éloigne de moi tout. Il ne faut pas que mes membres me conduisent encore à la confusion. Qu'il éloigne de moi tous les péchés que j'ai laissés derrière moi et me donne une vie nouvelle. Amen. Donc toi, ta prière, c'est que le Seigneur te maintienne. Ouais. Que le Seigneur te maintienne dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Il me maintient dans le salut. Dans le salut. Et me donne la force, me fortifie. Pour pouvoir accomplir ses yeux. La mission qui veut me confier. Nous allons prier pour le frère Ezekiel. Aujourd'hui, moi, je révalorise l'horizon et le nom Ezekiel. Désormais, on t'appellera Ezekiel. Amen. Le nom Robert est mort. Ezekiel de Jésus. Ezekiel de Jésus. Nous savons que le ciel te reconnaît depuis par ce nom. Ezekiel, mais aujourd'hui ce nom prend encore vie. Alléluia. Aujourd'hui ce nom prend encore vie. Parce que l'acte que tu es posé, c'est un acte de renaissance. C'est un acte par lequel le Seigneur veut ramener tout ce qui est mort en toi. Veut donner vie à tout ce qui était mort en toi. Alléluia. Amen. Alors, tu vas faire comme ça, nous allons prier pour toi. Seigneur Jésus, je prie maintenant pour ton fils Robert Ezekiel. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je déclare et je dis, voici les vœux qu'il a fait devant toi. Il demande que toi, Seigneur Jésus, que tu le soutiennes dans la marche. Il veut que tu le fortifies dans la marche. Seigneur, je prie maintenant que tu le fortifies, que tu le maintiennes dans la marche au nom puissant de Jésus. Que tu le maîtrises ferme en toi. Seigneur, son engagement demeure en toi. D'amener les dames toujours en toi.
papa, que tu l'assistes. Je prie qu'il soit inébranlable. Seigneur, inébranlable dans la foi. Amené dans le Seigneur. Maintenant, au nom puissant de Dieu. Et ainsi tu l'as arraché du monde des ténèbres. C'est parce que tu veux l'utiliser pour toi. Ainsi je prie qu'il soit pour toi cet instrument, Seigneur, que tu vas utiliser pour affronter le monde des ténèbres, pour ramener les dames à toi. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie et je déclare que le nom et desquels prend vie aujourd'hui. Que la puissance, Seigneur, qui est cachée dans ce nom, les bénédictions qui sont cachées dans ce nom, que les grâces qui sont cachées dans ce nom, et desquels je déclare, je décrète maintenant que ces choses maintenant prennent vie dans ce nom, au nom puissant de Jésus. C'est de même que Dieu a utilisé et desquels dans les écritures. Je prie et je déclare que tu l'utilises aussi, ainsi au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, merci. Seigneur, moins-le au nom puissant de Jésus. Tu demandes d'en prier. Amen. Tu vas faire comme ça. Ceci, vous fermez les narines pour que l'eau n'entre pas. Ok. Et le frère Ézéchiel, aujourd'hui nous te baptisons au nom de Jésus. Tu es mort. Au nom de Jésus. Fais comme ça. Seigneur Jésus, en ce moment, au nom puissant de Saint-Esprit, rempli là. Maintenant. Saint-Esprit, descends-lui. Avec force et puissance. Saint-Esprit, Que ton âme soit enflammée maintenant. Que ton âme reçoit le feu. Dans le feu de la prière. Reçois le feu. Reçois le feu. Le feu de la prière. Reçois le feu. Que ton âme soit enflammée. 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 Reçois un feu nouveau dans ton esprit. Enflammé. Au nom de Jésus, en ce moment, tout ce qui dort en toi, tout ce qui est mort en toi, pendant que je parle à Ézéchiel, pendant que j'appelle à Ézéchiel, au nom puissant de Jésus, que tout ce qui est mort en toi soit activé. Activé. Tout ce qui est don a mis en toi. Qui est en toi, tout ce qui est don et qui somnole en toi, qui dort en toi, qui est mort, au nom de Jésus, en ce moment, au nom puissant de Jésus, toute personne à qui tu imposeras les mains, au nom de Jésus, recevra la guérison. Tout malade à qui tu imposeras les mains, recevra maintenant la guérison. Recevra la guérison. Au nom puissant de Jésus. À partir de maintenant, je déclare, je décrète que tel Dieu spirituel sous maintenant, tu vois spirituellement. Au nom puissant de Jésus, en ce moment, que à tes oreilles qui n'entendent pas la voix de Saint-Esprit, à partir de maintenant, que tes oreilles soient connectées à l'Esprit de Dieu, soient connectées à la voix de Dieu, soient connectées à l'Esprit de Dieu, soient connectées à la voix de Dieu. Maintenant, au nom puissant de Jésus, que tes oreilles soient connectées à la voix de Dieu, au nom puissant de Jésus, tout ce qui est coincé, à boucher tes oreilles, afin que tu n'entendes pas la voix de Dieu, au nom de Jésus, sont débouchés. Débouchés. Au nom puissant de Jésus, en ce moment maintenant, à partir de maintenant, je déclare, je
communiquer, que le Seigneur, de même que le Seigneur a touché la bouche de Jérémie, et là, de Esaïe, et là, purifié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta bouche et ta langue sont purifiées. Purifié. Ta bouche et ta langue sont purifiées. Purifié. Et au nom puissant de Jésus, au nom de tout par que tu sortiras, tu seras accompagné de feu et de puissance. Au nom de Maintenant, Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lorsque tu vas te mettre à proclamer la bonne nouvelle, les cœurs seront touchés, les vies seront touchées, les vies seront ressuscitées. Au nom puissant de Jésus. Puissant je déclare, je décrète maintenant que à partir de maintenant, tous les dons qui sont en toi, maintenant retour la vie. Au nom de Jésus. Retour la vie. Retour la vie. Retour la vie maintenant. Retrouve la vie maintenant. Retrouve la vie maintenant. Retrouve la vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur sème en toi la paix. Au nom de Jésus. L'amour. Au nom de Jésus. La joie. Au nom la bonté. La douceur. Au nom de la patience. La bénignité. Au nom de la tempérance. La foi, la fidélité. Maintenant, au nom puissant de Jésus, à partir de maintenant, le fruit de l'Esprit de Dieu, maintenant, inonde en toi. Inonde en toi. Inonde en toi. Inonde en toi. Et tout ce qui est fruit de la chair, de l'ennemi, du malin, maintenant est arraché. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En ce moment, reçois le casque de salut. Au nom de Jésus. Reçois le casque de salut. Reçois le courage de justice. Je reçois le courage de justice. Reçois la sainteté de vérité. Reçois la sainteté de vérité. Reçois la sainteté de vérité. Je mets à tes pieds les chaussures du zèle de l'évangile. Je mets à tes pieds les chaussures du zèle de l'évangile. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Pendant que je parle maintenant, tu reçois le bouclier. Le bouclier de la foi. Tu reçois le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Rien ne viendra pour t'ébranler. Rien ne viendra pour te renverser. Rien ne viendra pour te renverser. Mais le bouclier de la foi est là. Pour empêcher toutes les flèches enflammées par l'ennemi. Contre ton âme et ta vie. Reçois l'épée de l'être. 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 Aïe, maintenant au nom puissant de Jésus. Avec l'épée de l'être. Il va affronter le monde des ténèbres. Avec l'épée de l'esprit. Il va affronter le monde des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En ce moment, je prie que tu reçois un nouveau manteau. Au nom de un nouveau manteau. Tu reçois le manteau pour la marche au nom chrétienne. De Jésus. Le manteau pour la marche chrétienne. Au nom de Jésus. Le manteau maintenant, au nom puissant. Au nom, tu reçois ce manteau. Je déclare maintenant au nom que de le Jésus. Seigneur maintenant te marque de ton saut. De son saut. Que nom le Seigneur te marque de son saut. Tu es marqué du saut de Jésus. Tu es marqué du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es marqué du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. En ce moment maintenant, le Seigneur a fermé ton chemin, a fermé tes mains, a fermé ta voix. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, reçois la gloire. Seigneur, reçois la gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le frère est lequel? La Bible dit que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont redevenues nouvelles. Et lorsqu'on dit cela, c'est comme si lorsque le Seigneur te rencontre, il commence une nouvelle vie avec toi. Lorsque le Seigneur te rencontre, il met le compteur de ta vie à zéro. Lorsque le Seigneur te rencontre, une nouvelle saison de ta vie commence. Alléluia. C'est ce qui s'est passé dans ta vie maintenant. Et le conseil que j'ai, ce n'est pas un conseil, c'est une recommandation que j'ai à te donner, c'est de ne plus retourner à tes vomis, mais c'est de garder ta vie et de marcher avec le Seigneur, de marcher avec le Saint-Esprit et tout le temps d'être persévérant dans le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit avec toi et que le Seigneur t'assiste. Je ne sais pas, est-ce que tu as un témoin à quand nous avons prolongé et qui est revenu, qu'est-ce que tu as remarqué de nouveau dans ta vie? Est-ce que tu as senti? J'ai senti une fraîcheur, un vent qui m'a frappé avec puissance. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur, je poursuis le témoignage. Avant que Jésus ne monte pour aller au ciel, après qu'il est ressuscité, la Bible dit, tu as soufflé au milieu de tes disciples. Alléluia. Le vent que tu as reçu, c'est le vent que le Seigneur souffle au-dedans de tes enfants. Lorsque le Seigneur a créé Adam, il a formé Adam, il était obligé de souffler en lui l'esprit pour pouvoir lui donner une âme vivante. Alléluia. Et c'est ce que tu as expérimenté. Le Seigneur a soufflé en toi un nouveau vent. C'est le vent qui fera de toi une nouvelle personne, mais qui a fait de toi une nouvelle personne maintenant au nom de Jésus. Que le Seigneur t'assiste et que ce vent ne s'éteigne pas. Il ne t'éteigne pas l'esprit.
que les trucs que le Seigneur t'a accordés ne se peignent pas, mais que le Seigneur soit avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur t'accompagne. Jésus descend et manifeste ta puissance. Alléluia. Amen. Shalom. Bon arrivée. Amen. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour dans votre vie. Chantez pour la gloire du Seigneur. Votre âme en a désiré. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Aujourd'hui, c'est Jésus qui vit. Et je sais que vous pouvez la témoigner parce que. Alléluia. Donc, vous, dans ce baptême, ça vous plaît d'assister aussi et que le Seigneur aussi fasse de vous une nouvelle personne. Et ces requêtes que vous avez toutes les fois ou bien tout le temps fait en vous, ces requêtes aujourd'hui, le Seigneur les a aussi dans vos vies. Et je voudrais vous dire que ce jour est un nouveau jour dans votre destinée et dans votre vie. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que la Bible dit si quelqu'un croit en Jésus et s'est baptisé, il est devenu une nouvelle créature. Mais celui qui ne croira pas, la Bible nous dit que cette personne est déjà condamnée. Alléluia. Mais pour vous, ce n'est pas le cas. Mais pour vous, c'est que vous êtes sauvés. Alléluia. Alors, et qu'est-ce que je voudrais vous dire? On a envie de dire. Qu'est-ce que vous voulez faire pour le Seigneur? Prenez ce moment. C'est comme un engagement. Et ce n'est pas à nous. Seulement nous, nous sommes des témoins. Mais vous, avec Jésus, c'est à Jésus que vous voulez dire. Et le jour où vous allez quitter sur la terre, le Seigneur vous dira, lorsque tu es né de nouveau, voici l'engagement que tu avais pris. Qu'est-ce que vous, vous voulez faire pour le Seigneur Jésus-Christ après ce moment de baptême? Amen. En moi, je ne cesserai pas de témoigner sa grandeur. Alléluia. Donc ça veut dire que je vais témoigner de sa grandeur si j'en ai occasion. Vous avez déjà l'occasion. Partout là, j'aurai l'occasion, je vais témoigner de sa grandeur, de son amour. Voilà, prêchez l'évangile, prêchez le vécu de Jésus, prêchez la repentance, prêchez l'amour de Christ, prêchez l'œuvre de la croix, prêchez ce que Jésus est venu faire pour nous les hommes, afin que nous ayons la vie éternelle. Pourquoi? Parce que vous-même, vous avez eu la vie, vous avez obtenu la vie éternelle après avoir accepté Jésus. Amen. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous-même, vous voulez que je fasse pour vous? C'est comme une prière, une requête, une demande de la part du Seigneur. Je veux qu'il me remplisse de son Esprit Saint, qu'il me remplisse de sa crainte. Amen. Amen. Nous allons prier, nous allons demander que voici ce que les rois de Dieu. Dis-nous, lorsque on a le mois de délivrance, vous avez reçu un nouveau nom? Non. Vous n'avez pas reçu un nouveau nom? Et même vous-même, quand vous lisez la Bible, quel est ce nom de Dieu? Qui vous tient à tête et vous pouvez vous passer? Quand vous entendez ce nom, ça vous plaît de porter. En tout cas, n'ayez pas peur, Dieu va vous donner un nouveau nom. Parce qu'il a eu que si quelqu'un vient en Jésus, il y a une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature doit porter un nouveau nom dans le Seigneur. Alléluia. Alors, nous allons prier pour vous d'abord. Nous allons prier dans le Seigneur. Voici les vœux. Et aussi l'engagement que ta servante a pris. Rien, son Dieu est que tu l'as rempli de ton esprit et aussi de la crainte de Dieu. Nous prions que le Seigneur, quand la femme prie de la crainte de Dieu, et que le Seigneur, l'aider dans la marche, afin qu'elle ait cette possibilité de prêcher, d'annoncer l'amour de Christ, l'œuvre de la foi, partout, etc. Selon que l'occasion lui sera présentée.
Seigneur, je te prie maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, engage-toi. Qu'elle a pris devant toi, Seigneur, je prie. Seigneur, elle a déclaré. Seigneur, elle a prié. C'est engagement. Oh Seigneur, je te prie maintenant que l'esprit de bonne volonté prie et déclare au nom du Seigneur le zèle de ton évangile. La défense, Seigneur Jésus. Cette force, Seigneur, je prie de ta volonté. Oh Seigneur Jésus. Soif de parler de toi, capacité, de témoigner de toi. Témoigner de ton nom, Seigneur Jésus. Partout elle est, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Qu'elle arrive à témoigner, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, je prie que ton esprit, Seigneur, ta parole me dit, c'est l'esprit, je prie que tu dises. Il y a de l'amour qui est là. Il y a de l'amour qui prend le contrôle. Il y a de l'amour qui se pose. Et je prie et dis là maintenant. C'est en ce moment. Saint-Esprit, je prie que ton âme, Seigneur, de toi maintenant, que ton amour soit délivré. Oh, au nom de Jésus, qu'elle arrive à témoigner toujours ton nom. Partout elle est, Seigneur Jésus. Sois avec Seigneur, elle. Je te prie. Cache ton âme dans ton elle, Seigneur Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Tiens-la par la main, Seigneur Amen. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Pendant que on était en train de prier. Le nom que j'ai vu, Esther. C'est la juive qui avait pris le jeûne de 3 jours après qu'elle a demandé. Jésus a dit au monde qui l'entourait de pouvoir jeûner avec elle parce qu'elle avait une requête à pouvoir demander à lui. À qui la victoire? Esther, effectivement, Esther était celle-là qui était mariée avec le roi. Et à cause de Esther, le peuple d'Israël a été sauvé à un moment. À cause de Esther, le peuple d'Israël a trouvé grâce. Le peuple d'Israël a été sécurisé à cause de la présence de Esther auprès du roi, ou aussi de, à cause de sa position. Effectivement, Esther avait pris un moment de vie. Alléluia. Pendant ce moment de vie, beaucoup de choses sont passées. Maintenant, lorsque je parle d'Esther, dans votre vie, en réalité, cette capacité que le Seigneur vous donne, de vous consacrer à Jésus. Alléluia. De vous consacrer à Jésus. La Bible nous dit, Esther était quelqu'un qui n'avait pas trop de. Elle était réellement belle, de figure, mais il a fallu qu'elle fasse quelque chose, c'est-à-dire. Il a fallu qu'elle fasse quelque chose que Mardochée lui a commandé. Et quand elle avait obéi, dans ce moment maintenant, Esther a été choisie. Alléluia. Donc, c'est pour dire, lorsque je parle d'Esther sur votre vie, c'est pour dire le choix de Dieu est sur vous. Lorsque je parle d'Esther, je dis, le Seigneur vous appelle, lorsque vous entendez toutes les fois Esther, le Seigneur vous appelle à la consécration. Il a fallu que Esther fasse des. Garde sa dignité, garde sa personnalité pour qu'elle soit choisie ou sélectionnée par le roi. Maintenant, lorsque je parle de Priscille, Priscille avait son mari, était une personne de bon cœur. Et Priscille avait accueilli Paul pendant son séjour, mais pendant qu'il est en train de faire l'œuvre de Dieu, Paul les a rencontrés. Alléluia. Et Paul, dans ses épîtres, Paul pouvait parler de Priscille et de son mari, qui est Aquilas, si je ne me trompe pas. Alléluia. Donc, c'est pour vous dire que le Seigneur aussi vous appelle à avoir ce bon cœur et aussi à avoir cette capacité de vie et de la vie.
Alléluia. Alléluia. Vous comprenez. Voilà. C'est encore le Seigneur vous appelle. Alléluia. Et le Seigneur vous appelle. Alléluia. Chantez pour la gloire du Seigneur. Le nom que vous allez porter, c'est un nom de bénédiction pour vous. Dans les deux, côtés, le Seigneur vous voit comme une femme de prière. Et de l'autre côté, le Seigneur vous voit comme une femme qui a de bon cœur. Donnez papier à Jésus. Les temps sont finis. Et avoir un cœur pour accueillir même les enfants de Dieu, les choisis de Dieu. Demain, et même pour tout le monde. Parce que la Bible dit que c'est en faisant cela que d'autres ont accueilli les anges dans leur maison. Alléluia. Voilà. Et c'est ce que Abraham avait fait, et il a accueilli les anges dans sa maison. Alléluia. Donc c'est comme ça. Dieu vous a réservé des bénédictions. Alléluia. Lorsque tu entends, est-ce que tu peux savoir que le Seigneur m'appelle à une responsabilité. Alléluia. Je comprends. Et le Seigneur Jésus est avec toi. Alléluia. Je ne sais pas si ton mari a déjà accepté le Seigneur Jésus. Alléluia. Waouh. Mais le Seigneur va te donner Amen. Alors nous allons prier que le nom Esther Priscille vient Priscille Esther. Voilà, Priscille Esther, que ce nom soit attaché à ton âme, que ce nom soit attaché à ta vie, que ce nom soit attaché à ton être, que les bénédictions qui accompagnent Esther et Priscille soient attachées à ton âme et à ta vie, et que ta vie manifeste pleinement le nom qu'elle porte aujourd'hui. Alléluia. Prions. Seigneur Jésus, bon, je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus pour que le nom, Esther. Que le nom Priscille. Que le nom Esther. Oh, s'attache à son esprit. S'attache à son âme. S'attache à son attaché à ta vie. Je prie maintenant, Seigneur, que la faveur, la grâce qui accompagne Esther, qui accompagne Priscille, que cette grâce s'attache à sa personne, s'attache à sa vie. Ô Seigneur, je prie que la vie de l'obéissance, ô Sayaba, soit attachée à ta vie. Au nom puissant de Jésus, Priscille et Esther s'attachent à lui. Au nom de Jésus, Père, je déclare, je à partir de maintenant, que le nom Priscille Esther, ou Esther Priscille, au nom puissant de Jésus, soit gravé dans ton être, soit gravé dans ton être. Au nom puissant de Jésus, qui demanderait, Seigneur Jésus, reçois la gloire. Au nom puissant de Jésus, l'en prie. Amen. C'est Priscille Esther, ou Esther Priscille. Waouh. Ok, Priscille Esther. Alors, vous allez faire comme ça. Et vous allez utiliser ça la peau. Pour que l'eau n'entre pas. Ok, la servante de Dieu, Esther, aujourd'hui, vous te baptisez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avec au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, remplis-la. Remplis-la. Saint-Esprit, embrasse-la. Remplis-la. Embrasse, le Saint-Esprit te remplit, il te remplit, enflammé, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reçois le feu de la prière. Reçois le feu de la prière. Reçois le feu de la prière. Tu reçois ce feu.
Reçois ce feu de la prière, ce feu de ton esprit, ce feu te remplit, ce feu te pénètre, ce feu te fait, ce feu te pénètre, ce feu te fait, 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 ce feu te f
Amen. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, dis-nous, quand vous étiez plongé dans l'eau et sorti, qu'est-ce que tu as senti dans ta vie? Qu'est-ce que tu as remarqué dans ta vie? Chantez pour la gloire du Seigneur. Louez le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Louez le Seigneur. Amen, amen. Il y a longtemps que tu cherchais la tête. Aujourd'hui, il y a longtemps que je cherchais la tête. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a exaucé. Et tu as la paix du cœur que le Seigneur t'a exaucé. Cette paix que tu as reçue, Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Alléluia. Akosu Davi Cité, Odoué Noumaou. Akosu Davi Cité, Odoué Noumaou. Cette paix ne quitte pas ses enfants. Je prie que cette paix demeure dans ton cœur, dans ta vie, dans ton âme, tous les jours de ta vie, au nom de Jésus. Que cette paix que tu as témoigné soit comme une alliance avec toi. Donnez votre vie à Jésus. Les temps sont finis. Jésus-Christ est à la porte. Si tu mourrais ce soir, où ira ton âme? Pense à ton âme, mon frère. Demain ne nous appartient pas. Au nom de Jésus. Que le Seigneur t'appartienne. Que le Seigneur t'accompagne dans la vie. Amen. Maintenant, le Seigneur est devant toi. Jésus. Alléluia. Jésus, sans reculer, toujours pour toi, sans reculer. Moi, Jésus, chantez pour la gloire du Seigneur. Ici, là, c'est parti en bas. Reculer, toujours tout droit, sans reculer. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Le monde derrière moi, la croix devant moi. La croix devant moi. Toi, sans reculer. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est la semaine Dorcas. Amen. Et c'est Dorcas aujourd'hui, c'est un nouveau. Chantez pour la croix du Seigneur. Et tout ce que tu fais, Dieu le fait en son temps. Et ce temps est arrivé dans votre vie. Alléluia. Et ce jour sera un grand témoin au ciel. Parce que la Bible dit que si quelqu'un se repent sur la terre et qu'il se baptise, qu'il y a une joie au ciel. C'est-à-dire les anges fêtent au ciel. Alléluia. Les anges sont en joie. Le fait qu'un élément du monde est revenu dans le royaume de Christ. Et aujourd'hui, cette joie est au ciel à cause de vous. À cause du salut de votre âme. Alléluia. Et c'est mon temps de Dieu. Donc, dis-nous, qu'est-ce que vous voulez faire pour le Seigneur Jésus après ce moment de baptême? Après ce moment de baptême, qu'est-ce que vous voulez faire pour le Seigneur Jésus? Je veux le suivre. Oui, là, c'est votre engagement. Ok, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire pour Jésus? Martin, votre engagement. Et cet engagement que vous avez fait, vous avez déjà pris cet engagement. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire pour le Seigneur comme un travail? Vous voulez évangéliser, vous voulez les âmes pour lui. Amen. C'est ce que Jésus veut. Parce que vous-même, avant que vous ne veniez là-bas, quelqu'un vous a parlé. Ou quand le Seigneur vous a rencontré. Jésus est venu vous parler. Voilà, c'est comme ça. Donc, si le Seigneur est venu vous parler, c'est parce que lui, il veut que vous aussi, vous alliez parler aux autres. Voilà pourquoi lorsque Jésus rencontre quelqu'un, il dit, va dans ta maison, pour que tu sois un témoignage pour ta maison. Alléluia, pour que ta maison entende ce que Jésus a fait pour vous. Alléluia. Donc, Jésus vous envoie dans votre maison, afin que vous soyez un témoignage. Le canal par lequel le Seigneur va passer, pour parler aux autres. Amen. Alors maintenant, qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous? C'est quand une prière, une demande. Qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous? Parlez. Jésus vous entend. C'est le peuple pour danser. C'est le peuple pour danser. Que le Seigneur sauve votre foyer. Amen. Votre mari n'est pas encore fait. Amen. Vous voulez que le Seigneur sauve votre foyer. Amen. Ce que vous venez de dire maintenant, c'est que
Vous connaissez Jésus? Je jouais dans les études. Ah, ok, d'accord. Jésus était un homme de Dieu, était un serviteur de Dieu. Et voilà un homme de Dieu que Dieu a utilisé pour le peuple d'Israël. Moi et ma maison, vous servirons l'Éternel. Comme il est qu'on a élevé. Donc vous voulez que vous, votre maison, vous servirez l'Éternel. Amen. Nous allons prier que cela soit concrétisé au nom de Jésus. Nous allons prier. La sœur de Kadi, il dit ce que je veux que Jésus fasse pour moi, c'est que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Et elle veut aussi amener les âmes dans le royaume de Christ, dans la maison. Donc priez que le Seigneur n'a qu'à la soutenir dans cet engagement. Je prie, Seigneur Jésus, que tu l'aies, que ton esprit, la cisterne, même si à un moment qu'elle soit, je prie, Seigneur Jésus, que tu sauves la famille, ton foyer, et je prie, et je déclare, que cette prière, que je louis à faire, et cette engagement, au nom de Jésus, que la maison, que ton esprit, que ton foyer, que sa maison, t'adore, te loue, au nom de Jésus, que la maison, agis comme soit, agis, Seigneur, au nom puissant de Jésus, que la maison, agis comme soit, agis, Seigneur, au nom puissant de Jésus, Seigneur, je dis merci, au nom de Jésus, nous avons prié, Amen. Amen. Vous allez faire comme ça. Vous allez utiliser ceci pour fermer les narines, pour que l'eau n'entre pas. La sœur Docas, aujourd'hui, nous te baptisons au nom, de Jésus. Tu es mort avec Jésus. Et ressuscité avec Christ. Au nom de Jésus. Reçois maintenant la soif de la prière, la soif pour prier. Maintenant, au nom puissant de Jésus, à partir de maintenant, tu reçois ce désir de prier, Au nom puissant de Jésus, à partir de maintenant, ta vie de prière n'est plus comme auparavant, mais ta vie nouvelle, ta vie de prière est maintenant, viens d'être changé. Au nom puissant de Jésus, en ce moment, je déclare ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus, la Bible me dit qu'on a intercédé pour Docas. Et les prières de Docas ont été exaucées. Parce que Docas était quelqu'un qui fait le bien. Au nom puissant de Jésus, je déclare que cette grâce tombe sur toi. Que la bénédiction qui accompagne Docas se repose sur ton âme, ta vie. Au nom puissant de Jésus, que la faveur que Docas a auprès de l'Éternel. Maintenant, au nom puissant de Jésus, tu reçois cette faveur. Je déclare ta vie maintenant. À partir de maintenant, reçois le cadre du salut. Reçois la cure de la justice. Reçois la cure de la vérité. Reçois le Saint-Esprit de l'Évangile. Tu reçois les chaussures. Le bouclier de la foi. Tu reçois maintenant l'épée de la pluie. Au nom puissant de Jésus, le Saint-Esprit en toi l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bonté.
la bénité, la patience, la douceur, la foi, la fidélité. Maintenant, au nom puissant de Jésus, ces choses maintenant, prends encore en toi. Les dons que le Seigneur a cachés en toi. Les dons que le Seigneur a caché en toi, c'est d'or, reçois la vie, 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 reçois la vie. Maintenant, au nom puissant de Jésus, à partir de maintenant, aucun être ne te parlera, mais tu entendras la voix du Saint-Esprit. À partir de maintenant, tes oreilles sont connectées au ciel, connectées au ciel, connectées au ciel. Au nom de Jésus, tu ne verras plus les choses souillées, tu ne verras plus les choses qui vont te faire peur, mais au nom de Jésus, tu verras la lumière de Dieu. Amen. La lumière de Dieu. Amen. La lumière de Dieu. Le Seigneur te montre des choses avant. Tu es averti d'avance. Contre toute attaque contre ta vie et contre ta maison. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur touche ta bouche maintenant. Et sanctifie ta bouche. Et purifie ta bouche. Au nom puissant de Jésus. Ta langue et ta bouche maintenant deviennent efficaces. Lorsque tu parleras ou tu proclameras quelque chose, lorsque tu déclareras quelque chose, la chose va recevoir la puissance et le feu de la vie. Au nom de Jésus. Seigneur, reçois la gloire. Que en ce moment tu reçois une nouvelle robe. Reçois une nouvelle robe. Reçois une nouvelle robe. Reçois une nouvelle robe. Au nom de Jésus. Le Saint te capacite. Le Saint te quitte maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, priez. Amen. C'est dans la vie de notre que vous étiez plongé dans la vie. Alléluia. Qu'est-ce que vous avez senti dans votre vie à nouveau? Alléluia. C'est comme si j'ai senti que le Seigneur est venu. Le Seigneur a déjà accepté pour ça. Toutes les choses qui étaient en moi, tout est parti. Je sens en joie. Alléluia. Je prie pour vous maintenant que cette joie ne vous laisse jamais. Que cette joie demeure éternelle. Que cette joie déborde en toi au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur soit avec toi. Que rien ne t'arrache de cette joie. Mais cette joie soit permanemment dans ton cœur et dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alors, sœur Dorcas, le Saint Jésus-Christ est avec toi. Il est ton conducteur, il est ton guide, il est ton berger, il est ton maître. Hein? La marche continue, Jésus est avec toi. Alléluia. Là, tu peux partir. Amen. Jésus est vivant dans ta vie. Amen. Amen. Nous avons accueilli la maman Rita et Jésus. Alléluia. Sœur Rita, aujourd'hui, c'est un nouveau jour dans votre vie. Aujourd'hui, il y a une joie au ciel à cause du salut que le Seigneur vous a accordé, à cause de cette grâce que le Seigneur vous a permis. Et je ne sais pas si cette même joie vous anime. Et je ne sais pas. Dis-nous, qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous anime actuellement, qu'est-ce qui se passe dans votre âme, et dans votre cœur, dans votre vie. La joie de Jésus m'anime. Amen. Pasteur. Et en ces derniers temps, je ne sais pas si je dois être juste en vie en ce moment, en ces temps-ci. Parce que le Seigneur, il est un Dieu miséricordieux. Il m'a donné beaucoup de grâce, il m'a trop aimé dans ma vie. Malgré que je suis têtu, vraiment têtu, non reconnaissant. Il m'a trop aimé. Depuis mon enfance, moi-même, je sais en moi que il m'a trop aimé. Parce qu'en ces derniers temps, ce qu'il m'a arrivé, ça n'atteint pas à ce que j'ai vu en 2 heures de temps. Et puis, le monsieur est parti. Amen. Mais lui m'a donné la grâce et je suis en vie. Et j'ai connu Jésus revient. Et qu'aujourd'hui, je veux mourir avec mes péchés, avec Alléluia. Jésus. Et ressusciter avec et Jésus. Lui. Alléluia. Amen, amen, gloire à Jésus. Alors, c'est mon temps de Dieu et Richard. Ce que je veux dire que vous ne pouvez pas savoir la joie qu'il y a au ciel actuellement à cause de votre âme. Vous ne pouvez pas imaginer ce que le Seigneur a fait pour vous. Et si vous pouvez reconnaître cette grâce et manifester vraiment cette grâce envers le Seigneur, le Seigneur ne va jamais vous abandonner. Et il ne vous avait jamais abandonné. Amen. Amen.
Amen. Alléluia. Alors, dis-nous, qu'est-ce que vous voulez faire pour le Seigneur après ce moment? Alléluia. Après ce moment de baptême, je vais consacrer toute ma vie à Jésus. Alléluia. Toute ma vie, tout au long de ma vie. Alléluia. En vrai et en sincérité. Amen. Parce que sans Jésus, je ne suis rien sur cette terre. Amen. C'est lui qui a le chemin de la vérité. Amen. Alors, qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous maintenant? Ce que je veux que le Seigneur me fasse aujourd'hui même, mais après ce moment de baptême. Après ce moment de baptême, je veux que toutes mes soeurs et frères de la famille soient sauvés. Soient sauvés et délivrés comme je me suis délivré aujourd'hui. On bénit Jésus. Nous allons prier pour la maman là, de terre. Voici le vœu et la prière, la demande de ta seconde. Auditeur, Seigneur, est-ce comme Jésus a dit, moi et ma famille, nous servions l'Éternel. Et un petit, ta famille adore le Seigneur. Sois sauvé. Que le Seigneur se souvienne de sa famille. Et elle dit qu'elle veut te consacrer totalement pour le Seigneur. Que le Seigneur la soutienne et que le Seigneur la suive. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour la Seigneur. Et je déclare maintenant au nom de Jésus. Seigneur, elle, dans ta prière, elle veut que tu sauves ta famille. Que tu amènes ta famille à toi, que tu arraches ta famille de la mort, que tu arraches ta famille du ténèbres, que tu arraches ta famille de que les ramener à la lumière. Seigneur, au nom de Jésus, pendant que je prie maintenant, que tu touches ta famille soit touché sa famille, touché que cette lumière visite sa famille. Je prie et je déclare en ce moment maintenant que les membres de sa famille commencent à toucher les cœurs. Afin qu'elle ne change jamais de décision. Je prie maintenant, Seigneur, que garde, qu'elle te réserve dans cette décision qu'elle a prise de se consacrer à toi. Je prie maintenant que cette décision, Seigneur Jésus, au soir, Seigneur, qui a marché avec lui. En ce jour, Ruth pouvait dire à Naomi, et dit ton Dieu sera mon Dieu. Ruth s'est engagé, et le Dieu de Naomi est devenu le Dieu de Ruth. Au nom de Jésus, que le Dieu de Ruth, maintenant, Ruth, sous la puissance de tout l'amour de Dieu, au nom de Jésus, je prie que la grâce qui était tombée sur Ruth tombe sur terre. Tâche de maintenant, afin qu'elle soit soumise, de même qu'elle a été soumise, consacrée pour ta belle-mère. Au nom de Jésus, qu'elle soit soumise à toi. Qu'elle soit soumise à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci Jésus. C'est au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, vous allez faire comme ça, nous allons prier pour vous. Voilà. Hello. Il faut fermer les narines pour que l'eau n'entre pas. Ok. Oui. La servante de Dieu, Ruth. Oui. Aujourd'hui, nous te baptisons au nom, De Jésus. Tu es mort avec Jésus. Ressuscité avec Jésus. Au nom de Jésus. En ce moment, et je déclare maintenant au dans le nom Jésus. Puissant de Jésus. Seigneur, remplis ta témoin de ton esprit. Remplis ta témoin de ton esprit. Remplis la 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 de ton esprit. Soit une fausse, que la force soit d'en haut, la force soit dans le ténèbre, la force soit d'en haut, la force soit dans le ténèbre, la promesse de Dieu, au nom de Jésus, le Saint-Esprit, tu reçois cette promesse, maintenant au nom de Jésus, tu reçois cette promesse, maintenant, le Saint-Esprit te remplit, le Saint-Esprit te remplit, le Saint-Esprit t'enflamme, ton âme est enflammée, le feu de la prière, enflammé, Seigneur, qu'elle ne soit comme
plus, qu'elle ne soit plus comme, un, comme une femme sourde. Mais je prie maintenant que tes oreilles soient débouchées. Et qu'elle entende ta voix au nom de Jésus. Qu'elle entende ta voix au nom de Jésus. Tu me dis, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Eux tous vont tomber de la force. Au nom de Jésus. Qu'elle ne marche plus jamais dans l'aveuglement. Qu'elle ne marche plus jamais dans l'aveuglement. Au nom de Jésus. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. S'ouvrent. Au nom de Jésus. Je prie maintenant que ta bouche soit purifié, ta langue soit purifiée. Maintenant, de même que tu as touché, Seigneur, la bouche de Esaïe. Esaïe a été purifiée, sanctifiée. Ainsi, je déclare maintenant que sa bouche soit purifiée. Et lorsqu'elle parlera, Seigneur, que ça, son effet, sa puissance, au que ta Jésus. Puissance accompagne tes paroles, tes déclarations au nom puissant de Jésus. Nom de Jésus. En ce moment, je prie et je déclare au que tu sèmes en elle ta paix, ta joie. Au nom de Jésus. Dans ton amour, au nom de Jésus. Ta bénité, au ta nom bonté, de Jésus. Ta douceur, au nom de ta, Jésus. Ta foi, ta fidélité. Au maintenant, Jésus. Au nom puissant de Jésus. Jésus. Mais en ce moment, je prie et je déclare. Couvre-la maintenant de ton manteau. Au nom de Jésus. Couvre-la maintenant de ton au manteau. Nom de Jésus. Couvre-la maintenant oh, de ton manteau. Couvre-la de ton manteau. Seigneur, révèle-la de Seigneur, ton manteau. Révèle-la de ton révèle manteau. Maintenant de ton révèle-la manteau. De ton au manteau. Nom puissant au Jésus. Nom de Jésus. Seigneur, en ce moment, je déclare. Tu reçois maintenant le cadre de salut. Tu reçois la pureté de la justice. Tu reçois l'esprit de vérité. Tu reçois la pureté de vérité. Tu reçois maintenant, au nom de Jésus, l'épée de l'esprit. Tu reçois l'épée de l'esprit. Tu reçois le bouclier de la foi. Tu reçois maintenant les sorties du dieu de l'évangile. Tu reçois tous les amis spirituels. Le Seigneur te capacite maintenant de tous les amis spirituels. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te prie, cache ton âme sous ton sang. Au nom de Jésus. Sous ton sang. Que ton sang soit ta couverture. Maintenant, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci. Parce que tu nous as exaucés en ce lieu. Et tu as exaucé ta semence. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Amen, 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 amen. Alléluia, alors, c'est mon temps de Dieu. On vous a plongé. On vous laisse sortir. Qu'est-ce que vous avez senti? Dans votre vie, à nouveau, maintenant. Acclamez Jésus, il est roi. Acclamons-le, il est roi. Acclamons Jésus, il est roi. Amen. Acclamons Jésus, il est roi. Vous n'êtes plus la même personne. Acclamons Jésus, il est roi. Achevé en et le bon Jésus, il est roi. Les choses anciennes sont passées. Et le bon Jésus, il est roi. Qui ne porte et le bon Jésus, il est Dieu. De l'ancien manteau. Et le bon Jésus, il est roi. Le manteau de la saleté est parti. Alléluia. Celui qui avait porté le manteau de la saleté dans ta vie est parti. Alléluia. Maintenant, tu reçois une nouvelle robe. La robe pour la marche pour le ciel. La robe pour la sainteté. La robe pour la sanctification. La robe pour l'amour de Christ. La robe pour la soumission pour le Seigneur. La robe pour les merveilles de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur est avec vous. Et le Seigneur marche avec vous. Amen. Amen. La marche continue, Jésus est avec vous. Amen. Amen. Acclamons-le, il est Dieu. Amen, amen. Acclamons-le, il est Dieu. Doucement, doucement. Acclamons-le, il est Dieu. Doucement, doucement. Acclamons-le, il est Dieu. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ton moment que tu nous as donné. Seigneur, je te bénis, je te dis merci parce que ta parole nous dit que le Seigneur qui témoigne en nous que nous sommes réellement enfants de Dieu. Et c'est ce que tu as fait. Seigneur, tu les as témoignés eux-mêmes. Et eux-mêmes, ils ont témoigné que, Seigneur, réellement, tu les as visités, que tu les as touchés. Je prie que ton nom soit élevé et exactement ici. C'est nous que tu as utilisé. Seigneur, ici, je prie maintenant, éloigne-nous de toute attaque. Au nom de Jésus. Contre nos au nom de au Jésus, nom de Jésus au sois annulé. Seigneur, agent de Christ qui te lèvera contre au notre nom. Famille, au nom nos de foyers. Au nom de Jésus. Je déclare, je décrète que tu te lèves et que tu combats pour nous. Au nom de Jésus. De lorsque l'ange de la mort s'est levé contre les familles, les maisons, la Bible me dit que l'ange de la mort, lorsqu'il voit le sang de l'agneau, il dépasse cette maison. Au nom de Jésus. Que tout être qui te lèvera contre nous, au nom tu de vois Jésus. Le sang de Jésus, au nom de Jésus sur les linteaux de notre vie, au nom de sur les linteaux de nos familles, au nom de nos foyers, au nom puissant de Jésus. De Jésus. Bénis nos vies et oins-nous dans notre ministère. Amen, amen. Seigneur, bénis les œuvres de notre main. Amen, amen. Seigneur, élève-nous tous les Jésus. Jours de notre midi. Au nom pour ouvrir les portes qui sont fermées au nom puissant de Jésus. Amen, Seigneur, achève ta mission dans notre vie. Amen, reçois la gloire, Seigneur. Amen. Merci, Papa, merci, pour tout ce que tu as fait en ce lieu. Amen. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Amen.